Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission, Le magicien des couleurs. Aujourd'hui, une à 18 par 18, allons-y avec du jaune et du rouge dans le ciel. De belles couleurs dans le ciel, ici. Avec un tout petit peu de blanc et de rouge. Là. Oui, il va sortir un beau orange. Comme ça. De belles couleurs. Coucher de soleil. On étire bien la couleur avec du blanc moelleux. Le blanc va étirer la couleur. Un beau mélange. Du jaune. Jaune de cadmium clair avec du blanc. Du rouge de cadmium clair avec le jaune. Là. Encore jaune et blanc. Une lumière plus forte encore. Là, c'est ça qu'on a besoin. Une passerelle de couleur ici. Cette passerelle de couleur va nous aider pour la suite. Dans la suite, on utilise gris de peigne foncé avec bleu indigo. Trop de gris, allons-y avec du bleu indigo, comme ça. Maintenant, on va simplement mélanger les couleurs. On va les mélanger. On ne prend aucun surplus de couleurs. On mélange. La passerelle de couleurs, la voici. Là. Elle est là, la passerelle de couleurs. Les taches qui avaient l'air à vouloir pas dire grand-chose au début, là, c'est ça ici. La passerelle de couleur, c'est ce qu'on a besoin. Maintenant, allons-y avec la forme d'arbre. Terre d'ombre brûlée. Bleu indigo et gris de peigne sur le bout du pinceau. Un pinceau de 2 pouces de large pour faire une belle finition. Le pinceau de 2 pouces de large qui va faire la finition. Là. Pas beaucoup de couleurs. On étire au maximum. On étire le plus qu'on peut. Là. Gris de peigne, terre d'ombre brûlée et bleu indigo. J'en enlève après l'avoir pris, je l'enlève. Une fois qu'il est enlevé, il va être plus doux, moins fort. J'utilise plus le coin du pinceau ici. Là. Une fois que j'ai utilisé le coin du pinceau, on va y aller avec des petites finitions. On va prendre des lunettes avec un éventail. Pinceau, éventail. Terre verte sur les 2 côtés. Conifères au loin. Là. Très peu de gris de peigne, c'est le vert qui l'emporte, le terre verte. Toujours avec le gris de peigne et le terre verte, on va creuser
ici, profond en forêt, très profond en forêt, là. Là. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va avoir du plaisir à bien remplir la toile. C'est quoi ça ici? On a une couleur foncée. Ah, on a des couleurs foncées ici. Comme ça. Avec du bleu indigo. Là. Cette forme-là. C'est une forme que j'aime bien. Comme elle est là. Maintenant, lui ici peut-être nous servir pour faire de la roche, de la terre qui sera enneigée. Ah. On remplit bien ici le bas de la forêt. On remplit mal. Il faut qu'on voit le fond de la toile apparaître. C'est bien. On continue en descendant au sens de la terre, en descendant. On le remplit. On le remplit toujours mal. Là, c'est ce qu'on a besoin. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, ça va bien jusqu'à date. Ici, de chaque côté, ça va bien, parfait. Un petit peu de blanc. Un tout petit peu de blanc sur le coin du pinceau. Une belle finition au pinceau de 2 pouces. Du bleu lumière. Qui va servir un peu de blanc. Il est tellement pâle que j'ai même mélangé le bleu lumière avec du blanc. Il fait presque blanc. Tellement que ce bleu-là est pâle. Là. Un blanc bleuté, comme ça. Maintenant, le pinceau de 2 pouces pour la neige. On va descendre la neige ici, en suivant le sens du roc, le sens de la terre. Du bleu indigo, du gris de pin, ici. On va démarquer un peu plus à quelques endroits seulement. Là. Blanc, la neige qui reflète sur l'étang d'eau, toujours la neige qui descend ici, qui rejoint la bordure de l'eau. On compose au fur et à mesure, on n'a pas de modèle, on y va. C'est de la peinture à l'huile. On fait ce qu'on veut avec de la peinture à l'huile. Là. Là, les reflets sur un étang d'eau. Dans l'avant-plan ici, on démarque bien
le blanc, là. Est-ce qu'on peut élargir l'eau? On s'amuse avec les formes. On peut très bien les laisser telles quelles, comme ça. Comme avec Great Pain et Blue Indigo, on peut aussi en ajouter. On peut faire refléter la neige encore plus sur l'eau, si on veut. Ah, ça va bien. L'indigo et gris de pain. L'eau, l'hiver, est très foncée. Très, très foncée. Là. Une fois qu'on a fait ça, on va allonger le bas de neige. Et on croise. Ici. On va croiser encore. L'eau en mouvement, comme ça. L'eau qui reflète, la neige qui reflète sur l'eau, comme ça. Alors, les reflets de la neige sur l'eau. Maintenant, allons-y avec du foncé, avec la spatule. Un peu de gris. Du gris de pain. Comme ça. Vu qu'ici, ça va bien. On continue. Avec du blanc. Vous pouvez prendre un petit pinceau, un pinceau éventail pour faire ça aussi. Vous pouvez prendre un pinceau de 2 pouces, un pinceau d'un pouce. Là, un peu de neige sur la roche. Jusqu'ici, ça va bien. Là. Là, la finition avec un pinceau de 2 pouces, tout est possible. Avec la pratique. Là, ici, du blanc. Voilà. Pression ici. Et on relâche la pression au bout de la pointe. Là. Là. On relâche la pression au bout de la pointe.
pression ici, et on relâche. Là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser la spatule. La spatule avec plus de blanc. Ici. Là. Une assez forte pression sur la spatule pour démontrer le mouvement de l'eau continue. L'eau qui est en mouvement. À l'autre bout aussi. L'eau est en mouvement constant. Ce ne sont pas des vagues, grosses vagues, c'est plus des mouvements causés par soit le courant de l'eau parce que c'est une rivière, ou ça aussi par le vent qui fait bouger l'eau un peu. En plus du petit courant, il y a aussi le vent, là. Ici, l'eau est en mouvement. Et quand l'eau est en mouvement, on ne voit pas les ombrages. Ici, à l'autre bout, juste là, il y aurait quelque chose de beau qu'on pourrait faire. Ici aussi. Mais j'aime beaucoup les conifères, les sapins. On va jouer un peu sur la couleur des conifères. Un peu de gris, tantôt un peu de blanc, terre verte et gris de peine avec l'éventail beaucoup plus costaud celui-là, là beaucoup plus costaud ici. On peut utiliser la spatule comme on peut utiliser l'éventail. Je fais plus souvent la spatule. J'aime beaucoup faire l'éventail aussi. Voilà. Un gros arbre, bien enneigé qu'il soit. Bien enneigé qu'il sera. Là. Ici, on laisse un espace. Ici, c'est bon de laisser de l'espace. Ici, de la roche à la spatule, gris de peine, très peu de terre d'ombre brûlée. Là. On laisse l'épaisseur de neige sur la roche. Là. Gris de peine, très peu de terre d'ombre brûlée. Là. Dans la pente, ici, il y a de la roche. Gris de peine, terre d'onde brûlée toujours. Là, la roche en descendant. On peut pas aller faire du ski, là. C'est badaigne dans les roches. Ici, badaboum, une autre roche. Ici aussi, on s'amuse avec les formes, les couleurs. On regarde bien ce qui va arriver, ce qu'on va lui faire.
un petit chalet à l'autre bout. Un chalet juste au bord de la rivière. Encore plus de blanc sur le toit. Là. Encore du blanc juste ici. Là. Et du gris avec un tout petit peu de violette sur le mur d'avant. Une continuité ici, comme si c'était une shed. Une continuité ici de la couverture. Une autre cabane. Là. Il y en a deux. Celle-ci, j'ai utilisé le traînard. Pour faire le mur de l'autre, parce que la spatule passe pas. Il n'y a pas assez d'espace. Alors, on va prendre le pinceau et se faire un petit coin ici. Là. Une cheminée sur le dessus. Une cheminée à l'autre aussi. Pourquoi pas? On a deux maisons. Là. Comme ça. On en a deux. La neige. La neige est sur la couverture. On en a beaucoup. Donc, de la neige sur les conifères ici. Là. Une épaisseur de neige ici sur les arbres. Jusqu'ici, ça va bien. La scène d'hiver au coucher de soleil. Du gris de peine, du gris foncé au travers du terre verte. On pourrait le partir d'ici, le partir juste ici. Tenez, on va grossir celui-là à la place. On fait ce qu'on veut, c'est de l'huile. Là. Là, bien enneigé. Ça va super bien. Hein? On a un paysage ici avec le contour de la rivière, l'eau en mouvement, les ombrages dans l'eau. Le mouvement ici, pas trop égal, on voit que le fond a été rempli, il a été mal rempli, c'est le but. Ensuite, par la suite, on peut faire de la finition ici. De la finition comme ça, là. Sous forme de pente, une pente assez grave, là. Parce qu'ici, ça va bien. On va prendre le traînard. Le traînard avec du foncé, du gris de peine. Eh oui, le traînard avec du gris de peine, on va se faire des oiseaux ici.
Ripain et le traîneur à poil long. Les petits oiseaux qui s'en viennent. Toujours Great Pain avec le traîneur à poil long. Pour la signature. Alors, pour commencer, on s'est pris du jaune, du rouge, on a mélangé ça avec du blanc. On s'est fait un passage dans le haut aussi pour ça. Garder une lumière pour éviter d'avoir jaune, rouge ici et gris, bleu ici, faire deux étapes de couleurs trop symétriques. Alors, on s'est fait un passage, ensuite on a mélangé le gris avec le bleu, des endroits où il y a plus de gris, moins de bleu, bien correct. Et puis là, on s'est fait une ligne jaune ici. Les arbres ici pâles, au loin, vu au loin, c'est les millions de branches qu'il y a. C'est pas des feuilles, c'est les millions de branches qui semblent avoir des feuilles au loin, et plus qu'on s'approche, on voit que c'est des milliers de branches. Et puis, les deux chalets ici qui sont en bas, avec le contour de la rivière ici qui contourne, le fond qu'on voit ressortir au travers du blanc, c'est très, très important. Il y a aussi que vous pouvez prendre un surplus de blanc, si vous voulez. Et vous pouvez en ajouter ici une épaisseur de neige, là. Là. Pour éviter que ce soit trop pareil, trop de la même couleur ou trop de la même forme, juste comme ça. Le but est de ne pas trop repasser souvent au même endroit, de ne pas repasser à la même place, c'est très, très important. Eh bien, nous avons une toile 18 par 18 bien complétée. Vous pouvez visiter le site lemagiciendescouleurs.ca et puis vous aurez 1500, 1600 tableaux en galerie. C'est gratuit, on peut le visiter. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine, tout le monde, et bonne peinture! Fier de faire rayonner notre communauté.